Deux jours après les municipales en Turquie, les soupçons de fraude électorale ravivent les tensions à travers le pays. À Ankara, la police a dispersé sans ménagement 2000 sympathisants de l'opposition qui protestaient devant le siège du Haut Conseil électoral. Ils accusent le maire sortant, issu du Parti de la Justice et du Développement, l'AKP au pouvoir, d'avoir volé sa victoire. Son avance serait d'à peine 1%. Distancé dimanche, le principal parti d'opposition, le Parti républicain du peuple de Kemal Kılıçdaroğlu, dénonce des irrégularités et demande un nouveau comptage des voix à Ankara, Istanbul et dans une dizaine d'autres villes. Il a déjà obtenu gain de cause à Yalova, notamment près d'Istanbul. Malgré un scandale de corruption, le premier ministre islamiste Erdogan, au pouvoir depuis 11 ans, est sorti grand vainqueur des municipales. Son parti, l'AKP, est crédité de 45% au niveau national. Il conteste lui aussi les résultats dans les villes qui lui ont échappé.